Dans cette vidéo, Adem et Bilal devront maquiller du mieux qu'ils peuvent Leia. Leur sœur leur a donc mis à disposition tout le matériel pour pouvoir réaliser le meilleur maquillage. Ils auront quelques règles à respecter. Ils disposent de 3 jokers pour poser n'importe quelle question à Leia, et leur séance de maquillage durera au maximum 20 minutes. Ils seront notés sur la qualité du maquillage et sur la bonne utilisation des produits. Le perdant aura un gage, et croyez-moi, vous avez pas envie d'être à sa place. Attends, s'il te plaît. Allez. Mettez un max de pouces bleus, et bon visionnage à tous. 1, 2, 3. Wesh la famille, c'est Adem et Bilal, on espère que vous allez bien. Attends. Oui, faut en parler. Regardez sa tête. C'est la première fois. Tadam. J'ai fait une dinguerie, les refs, j'ai craqué. Ça y est, c'est l'été, les femmes. C'est totalement pour les femmes qui s'est fait blond. Non. En vrai, je voulais tester déjà depuis longtemps, mais je me suis dit, on va se lancer cet été. Et j'ai fait cette coupe, les refs. Aujourd'hui, c'est pas un projet capillaire, c'est un projet make-up, les frérots. On est en train de faire des trucs de filles sur la chaîne à cause d'elle. Alors, en fait, pour vous expliquer, ils vont devoir me maquiller. Un partie gauche, un partie droite. Et celui qui réalise le meilleur make-up, il a gagné. Et celui qui a perdu, je vais le mettre au défi de s'épiler une partie du corps. À la cire. Donc, du coup, ils auront à disposition absolument tous mes produits. Je connais juste les palettes à maquillage, c'est tout. Et le rouge à lèvres, ça. Je suis gentille quand même, ils vont avoir 3 jokers. Chacun. Donc, ça veut dire 3 jokers pour lui, 3 jokers pour lui. Ok. T'es généreuse quand même. Oui, très généreuse. Celui qui réalise le meilleur make-up, de 1, il sera noté sur la partie esthétique, donc si c'est joli ou pas. Et la deuxième note, ce sera si ils ont utilisé les bons produits sur les bonnes parties de mon visage. Il y a 3 notes à la fin pour la note globale entre moi et Adem. Exactement. Donc, une première épilation pour la personne qui a perdu sur l'esthétique. Une deuxième épilation pour la personne qui a perdu sur les bons produits du visage. Et une troisième épilation sur la note globale. Exactement. Astarfoulaï. Ça va être chaud, les amis, parce que, regardez, épilation, soit ventre, cuisse, mollet, tibia, bras, on et va torse, crever. Torse. Vont mourir. Bah oui. J'en ai sur le torse. Oui, t'en as. J'en ai un petit peu. Ah, il en a plus que moi, cher. Je vais pleurer. Bon, on va tous chialer, les refs, dans cette vidéo, mais ça va. La tête d'homme, j'ai fait de l'art plastique, j'étais chaud. Bref, la famille, maximum de pouces bleus. Abonnez-vous à la chaîne, c'est pas encore fait. Sur ce, on vous laisse à la vidéo. Bon visionnage, c'est parti! Alors moi les refs, mon thème, on va partir sur... Moi je l'ai déjà en fait, parce que je suis trop rapide. C'est le thème Naruto. Oh. Un thème animé, frérot. Je voulais faire un design magnifique. D'ailleurs il est incroyable, hein. C'est à moi, je l'ai acheté 16€ je crois. Je rigole, ça elle, à me la prêter. Ça va partir sur le thème animé aussi. Non, je rigole. Fait romantique, genre... Oh je sais, c'est bon. Rendez-vous galant. Non, c'est bon, j'ai trouvé. Putain, boîte de nuit. Ça va être la fête. Elle est trop en mode fêtard aujourd'hui. Vas-y. C'est la coupe qui me fait avoir cet effet là. Ok, vas-y, pierre, feuille, ciseaux pour celui qui commence, s'il te plaît. Pierre, feuille, ciseaux. Hop, je commence. Toi, tu t'occupes de la caméra secondaire là-bas. Non, mais je voulais tourner avec vous, moi. Je voulais commenter et vous tailler. Bref, la famille, c'est parti. Là il est derrière moi, je sens qu'il va me déconcentrer, frérot. Ici, juste ici là, vous pouvez voir mon doigt sur l'autre caméra. Il y a une caméra sur la gueule à Leia. La 1 et la 2. Tu vois, tu dis la 2, il n'y a plus le focus, arrête de bouger. Vas-y, dis-le. Et la 2. Merci, et parle plus fort. On va commencer par le thème Naruto, je vais faire Hero Senin, frérot. Je t'en prie, les pinceaux ils sont là-bas. Ok, celui-là je pense que... Oui, il a l'air pas mal celui-là. On va prendre ces deux-là. Ok. Ah non, mais je suis bête. On va commencer les refs par tout ce qui est truc noir autour de l'œil là. Ah, tu l'as déjà? Ce qu'on appelle des cernes. T'es démaquillé, Zam. Bah, j'ai des cernes en fait. Merci, ah. C'est sympathique de le mentionner. Elle veut pas se démaquiller en entière. La tête derrière, je suis démaquillée. J'ai rien là. Allez, c'est parti. Oh, ça c'est pas mal ça. Allez, on commence les refs. Alors, qu'est-ce que c'est ça, tu sais ou pas? Ça, c'est un eyeliner. C'est bien, tu sais lire. Oh, je suis trop chaud. Voilà, j'avais même pas lu. Oh, le mytho. Non, dans là, j'ai pas lu. Faut commencer un highlighter. C'est sûr, il l'utilise mal. Ah, la grosse. Ah, c'est une catastrophe. Mais c'est trop dur. Vas-y. Qu'est-ce qu'il fait? Ça commence trop mal. Par contre, Adem, ta main, elle prend vraiment toute sa tête, genre. Mais arrête de fermer les yeux. Ouah, je vois, je fais un vampire, frérot. Je m'en bats les couilles, vas-y. T'as pas le droit d'effacer, hein. Oui, mais je peux pas, tu crois, c'est un ardoise. Une ardoise, mais vas-y. Ah, là, y'a quelque chose, les frères. Regardez bien. Y'a quelque chose. Mais vous jugez, frère. On dirait un panda, ouais. Vas-y, j'ai chaud. Mais tu pleures, ça va s'enlever. Non. Ah, ça s'enlève pas. Mais tu fais quoi, mon pote? La tête d'homme, on dirait il est en art plastique. Ok, t'inquiète, là y'a quelque chose, les frères. Mais je me rappelle une fois, elle avait fait un make-up comme ça sur TikTok. Ah, t'essayes de me copier là? Les refs, on va passer à le truc là. Comment ça s'appelle vos trucs? La palette de maquillage, la couleur. En gros, je vais avoir besoin de ça. Je tiens à préciser que en faisant cette vidéo et en voyant utiliser mes produits, j'ai envie de crier. Oh, tu mélanges toutes les couleurs là? Mais t'inquiète. Ma palette. Regardez, elle est bien.
Mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'inquiète, frère. Oh, tu vois, il y a quelque chose. En caméra, ça fait d'art, mais dans la vraie vie, c'est René. Ah, Zama, t'aimes renard à neuf queues. Oh, voilà, il y a quelque chose. Ah, ça fait QB. Maintenant, il me faut du rouge à lèvres. C'est quoi ça? Mais c'est quoi leur truc? T'as le droit d'utiliser des jokers, mon gars. Ok, joker. Qu'est-ce qui irait comme rouge à lèvres avec cet œil orange? Mais les jokers pourris que tu utilises, Adem, là je t'aide trop, je trouve. Tu sais, un joker, je m'en bats les couilles. Ok, bah ce qui pourrait aller avec ce genre de truc quand c'est hyper foncé là, genre essaie d'avoir des couleurs assez nudes. D'accord, assez nude en fait. D'accord, on part plutôt sur ça alors. C'est quoi ça? C'est un labello, frère. Ok, on va tenter avec ça. Il y a moyen, c'est pas mal là. Alors ta bouche, la moitié de la bouche. Dépêchez-vous! Y'a rien qui change! C'est quoi ça? Bah, j'en sais rien, t'as le droit à des jokers, je te l'ai déjà dit. Ah, Dem, j'utilise tes jokers, il te reste plus de temps! Mais c'est quoi ça? Même si elle dit que c'est un bike backer, ça va te servir à quoi? Mais ça sert à quoi? C'est un fond de teint! C'est bon! Tu vois, tu l'aides trop, t'as dit fond de teint, maintenant il sait. Non, que non! C'est... Mais il m'a demandé un joker! Donc là, ça fait deux jokers qu'il a utilisé. Ok. Donc tu utilises une éponge pour le mettre sur mon visage, c'est ça? Faut que je l'étale, frère! Non, mais je te pose la question! J'utilise une éponge pour faire. Partout okay. Sur son visage. Joker, est-ce que c'est fait pour? Oh, il est con! Trois jokers! Oui, trois, vas-y! Ok, oui! Merci, je suis trop fort, les frères! Du coup, mon joker. Allez! Mais c'était trop simple, ça! Qui savait pas ça, sérieux? Ok, j'ai souvent vu des tutos make-up. Mais c'est quoi cette tâche? Ça, c'est la vidéo la plus drôle. Là, je vais mettre directement dessus. Hop, on va contourner. Hop. Regardez ce que ça donne, les frères. Wesh, wesh. La séparation. Vas-y, attends, je vais l'épurer, frère. Il a fait Blanche-Neige. Wesh, on dirait que tu vas l'enterrer, là. Elle est morte, elle est rough. Elle va à la tombe. Fond de teint anti-fatigue. Qu'est-ce qu'il a fait? Et c'est quoi celui-là? Mat Poroles. C'est quoi vos trucs, frère? Hey, il a mis de l'anti-cerne sur toute la tête, frère. Ok, là, je pense que c'est plutôt pas mal, les frères. Non? Je ne sais point. Ah oui, je crois que je vais contourner les lèvres là. Tu sais, en marron. Ah ouais, avec ça. C'est du gel lip liner. Ok. Crayon à lèvres, merci. Ah mais elle va être horrible. Il fait pas toutes les lèvres. Ah, ça veut dire qu'il fait que la moitié. Ok, c'est pas mal. Je ne donne pas mon avis. Je le donne à la fin. C'est quoi ce truc blanc? T'as plus d'indices, t'as plus de joker. C'est du Tipex, frère. Ah ouais, y'a ça aussi. Faut faire comme ça là. Vas-y. Oh là, elle est trop belle, frère. Regardez bien, incroyable. En fait, je pense que je vais partir sur les lèvres un peu plus foncées. Il me faut un rouge à lèvres bien, bah, tu vois. Celui-là, il m'a l'air plutôt pas mal. Ah, lui, il est d'art. Vas-y, viens. Voilà, avouez que là, c'est mieux. Qu'est-ce que je fais? On dirait un clown. Maintenant, toutes les filles en commentaire, vous allez toutes parler. Vous allez toutes dire, c'est trop beau, je veux que tu deviennes mon maquilleur. Attends, vite fait, je regarde. Regarde-moi. Y'a quelque chose. Oh, y'a rien. Je ressens rien. Ok, les refs, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On a fait le teint, les yeux, le highliner, le truc là, la bouche. Qu'est-ce qui pourrait rester à faire? Bah, regarde tous les produits qu'il y a en face de toi. Ça, c'est quoi? On va voir, c'est quoi? C'est quoi ça? Mais regardez, c'est quoi ça? Regardez, les refs. Montre l'air de l'autre ouais, côté. Wesh, mais frère, c'est une halter en fait. Je te dis pas à quoi ça sert, je peux plus, t'as plus de joker. Je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que je pourrais faire. Ah, j'ai une idée. Je vais faire un truc qui va lui faire rapetissir son nez. Je crois que j'avais vu un tuto une fois comme ça. C'était un truc comme ça, tu vois. Je devais mettre du crayon sur le nez. Ah mais merde. Ah non mais t'inquiète en fait, faut laisser tomber, c'est pour ça. Mais il est parti. Mais j'avais vu un truc, c'était tu mettais du crayon, ça faisait les nez plus fins là. Mais regarde s'il n'y a pas un autre produit. Ah c'est lui, crayon à lèvres. Ah merde, est-ce que j'ai utilisé c'était pour le nez? Oh non, c'était pour quoi ça? Ah ils disent pas de toute façon avenue des Champs-Élysées, ok, carré. Hey, c'est un carnage. Il te reste 3 minutes. Je crois que je vais mettre celui-là, les refs pour la bouche. Ça va plus ressembler à ici là, non? Je sais pas. Elle a fait une tête bizarre, hein. Non, j'ai rien dit du tout. Elle a fait une tête bizarre, je le fais pas, c'est bon, je m'arrête là. Les refs, j'ai fini. Voici le make-up, à quoi ça ressemble. Regardez. Hop, petit room tour. Ça ressemble à Naruto, en fait. Un room tour. Un room tour. Un visage tour. Regardez bien. Voilà, c'est au tour de Bilal, les refs. C'est parti. Ton thème, c'était quoi déjà? C'était Pouta. Discothèque.
puta. Discothèque ne veut pas dire puta. J'ai jamais dit discothèque, j'ai dit puta. T'as dit fête, frérot. T'as dit fête en mode c'est ça et c'est la coupe qui te donne envie de ça et non. Puta bon. De disco. Bah non, c'est soit puta, soit disco. Une soit je suis une prostituée, soit je vais en boîte. Une puta de discothèque, mais wesh. Puta ne vont pas forcément en discothèque. C'est bon alors, c'est bon, on va faire une discothèque. Alors là, on a le LC Mic Me Found Anti-Fatigue. Je vois que t'es fatigué. Déjà, on va commencer par l'anti-cerne. T'as dit que c'était de l'anti-cerne, ça, c'est ça? Ouais, ça, c'est de fond de teint anti-fatigue. Ah, fond de teint, ça veut dire? Non, parce que les trucs fatigués, ça se met pas sur tout le visage. Ça se met juste en bas de l'œil. Ah! Je dis rien! Mais donne ton joker et je te dirai si oui ou non c'est vrai. Est-ce que c'est vrai? Non. Est-ce que c'est sur tout le visage? Est-ce que c'est vrai? Ça fait deuxième, hein. Oh non, je viens de commencer. Je veux pas savoir. C'est bon. J'ai utilisé les bons ustensiles, sinon c'est... Ah oui. Bah oui, j'utilise les bons ustensiles. De toute façon, y'a quoi d'autre dedans? Y'a que des pinceaux, frère. Non, mais je suis con. Léa, on va annuler ah, ça. Ah, je suis con. On va annuler... Ah non, 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 non. J'ai compris que c'était la boule, en fait. Allez, on y va, on prend la boule. Mais c'est de la triche, voilà. C'est parti. J'ai ce côté, on y va. En fait, il fait comme moi, ça, le tricheur, il s'est inspiré de moi. Eh, Léa, note bien, après. Je suis sûr que j'ai raison. Voilà, on va s'arrêter là. Enlumineur, stick. Ça va t'enluminer, ça. Ça se met en dessous des yeux, ça aussi. Je peux pas te dire. Bah oui, c'est vrai. Joker, ça se met en dessous des yeux. Non. Vas-y, frère. Base visage. Voilà, ça, on va t'équiper. J'en ai trop mis. Je sais pas, Bilal, c'est à toi de faire. C'est bon, alors. Pourquoi ça fait ça? Parce que faut attendre que ça met bien, genre, sur le côté du nez. Ah, t'es marre de sauter. Et voilà, on a mis la petite crème. Tu vois, là, t'as une peau bien hydratée, je trouve. Après, on a ça. Moi aussi, je veux faire le contouring. Oublie pas ton thème. Oublie pas ton thème. Mais déjà, ça fait sombre, ça fait noir, ça fait, tu vois, ça fait boîte. Je vais te le mettre là. Ouah, comment elle m'a regardé. On oublie. On va passer au rouge à lèvres. En fait, je les regarde parce que ça me fait peur comment ils utilisent mes produits. Tu vois, déjà ça, c'est la meilleure couleur, les amis. On a du rouge bien glossant. Vas-y. Ah, par contre, faut que tu joues le jeu. Hein. Faut que tu fasses... Vas-y, fais. Merde, ça dépasse sur la lèvre. J'allais mettre mon gros one, je peux. Attends. Vas-y, fais le bien aussi. Genre, dis-toi, il est bien fait, normalement. Ouah, mon côté, il est meilleur, simple, efficace. Après, on enchaîne. On va passer aux palettes de maquillage, les amis. Comment on ouvre? Oh là là, regardez, c'est la fête. Et là, les refs, on va prendre ça. Non, on va prendre un plus petit, quand même. On a le pinceau qu'on va utiliser pour son visage. Alors, les refs... Ouah. On va prendre le doré parce que c'est la fête. Mais ça, c'est un mariage, frérot. Mais tu fais quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait? Non, t'inquiète, ça le fait, frère. Oh le fou. Ça le fait, wesh. Ouais, voilà, c'est pas fait pour ça. Tu vois, Léa, ça va être de l'or aujourd'hui. Mais Bilal, il y a en caméra. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est boîte de nuit, en fait. Boîte de nuit années 80, c'est ça le thème. Mais là, c'est aucune année, ça a jamais existé, ça. Bilal, est-ce que tu m'as déjà vu faire ce genre de make-up ou pas? Oh. Pardon. Bilal, vraiment, est-ce que tu m'as déjà vu sortir comme ça? En fait, je voulais tenter un truc, mais ça a pas fait... Wow. Quoi? Mais j'ai gagné! Yes! Attends, est-ce que je peux supprimer? On recommence rien du tout! T'as des jokers si tu veux! Ok, est-ce que j'ai fait de la merde là? Totalement! J'ai gagné, il va s'épiler les fesses! Faut que je me rattrape! On va avoir une autre tablette, palette. Il faut que ce soit joli hein! Mais Léa, je sais pas quoi faire! J'aurais pas dû que tu ta gueule toi! Voilà que les pinceaux déjà c'est pas fait pour la joue! Déjà rien que ça, tu vas te faire épiler frérot! Vas-y, c'est bon, j'ai tout arrêté! J'ai tout raté! Yes! Yeah, il est trop con! Mais je peux pas, ouais, j'ai fait quoi? Tu sais que t'as un moyen de te rattraper, hein, je te dirai pas comment. T'as un moyen de te rattraper. C'est avec ça. Je sais pas, t'as un moyen de te rattraper. Allez, on efface tous les amis. Yes. Mais ça rattrape pas, wesh! Léa, wesh! Moi, je suis tétanisé. La tête d'homme, ça part! Eh, c'est boîte de nuit, frère! Et là, il pleut dans la boîte de nuit, frère. C'est d'art là. La tête d'homme, j'ai déjà vu des meufs sortir comme ça. Attends, comment je vais rattraper les amis? Je sais comment rattraper. Je remets ça. Et voilà, on a remis de la peau. La couleur peau normale. C'était ça le moyen de rattraper les gars. Ça fait un petit côté violet, j'aime bien. Ça fait bien. Oh, le truc acide, il est où là le... Ils sont là. Elle va être belle avec ça là. C'est ça? Non, c'est pas ça. Ah, il est là. Le voilà. Ça va recourber cils les amis. Les meufs, elles utilisent souvent ça. Wesh, tu comptes lui arracher là? Et voilà. Ouah, wow, moi ils sont mieux faits, frère, ça là là! C'est mytho. Bon, on continue. Je sais ce que je vais faire, ça va être trop coquine. Regardez, je vais prendre un pinceau. Et comme on a dit effet boîte de nuit, on va rester sur ce truc, hein, parce qu'on va pas tricher. Mais comment tu sais que les meufs en boîte se mettent comme ça? Et que t'as déjà été? Non, j'ai jamais été, non. C'est juste que je connais un pote. Tu connais un pote? Ah, tu vois là, c'est méchant, ça commence à ressembler à une femme. C'est carré? Ah, tu vois, là, ça fait un effet... je vais en mettre en dessous, même si normalement, il faut pas. En tout cas, j'ai bien rattrapé, les refs. La tête d'homme, j'ai bien rattrapé, maintenant.
on continue. Oh, ça y est, ça commence. Hop, là, c'est son teint un petit peu marbré. Je crois que c'est un carrelage ou quoi? Mais là, on dirait un cochon, là. Qu'est-ce que tu fais? Attends, c'est effet boîte. Faut que je ramène plus de vivacité, les amis. Ça veut dire, là, on va prendre la palette de malade. On va faire un travelling, ça s'appelle. Alors, qu'est-ce qui pourrait aller avec cette couleur? Là, faut ramener de la touche, là. Ouais, il a fait comme moi, en fait. Il fait le même truc que moi. J'ai pas compris. N'importe quoi. Mais là, elle a vraiment un coca. N'importe quoi, frère. T'es fou ou quoi? C'est ça les boîtes. Faut que les meufs, elles ont le regard perçant quand il y a des mecs et tout. Je suis peut-être allé trop haut. En fait, là, c'est Batman Rose, frérot. Mais non, c'est ça les boîtes. Genre les boîtes au Brésil, tout ça là. Vas-y, et là, je vais mettre le truc là, le contour. Copieur, va. Non, mais je l'utilise pas pareil que toi. Toi, tu l'as mal mis. Ouais, je lui mets dans l'œil, lui. Ah. Après, tu sais, les meufs, des fois, font un effet comme ça là. Tu vois? Non, franchement, c'est pas mal, hein. Bon, après, je sais ce qu'on va faire. On va mettre ça. En fait, ça, ça va venir estomper le... quand j'en ai trop mis, genre. Ah, mais Bilal, en fait, je crois que t'as oublié qu'il y a des trucs qui servent pas à ça. T'inquiète. L'utilisation des produits. Il met un truc pour la bouche, limite, en dessous de l'œil. C'est le mec qui connaît, mais pas du tout. Je peux faire les sourcils. Bah oui, je vais faire les sourcils. Parce que les meufs, quand elles vont en boîte, elles font les sourcils bien noirs. Ça veut dire, on va prendre un truc à sourcils. Il y en a? Ouais, il y en a. C'est parti. Moi, je vais faire ces sourcils qu'Adem n'a pas fait. Vous voyez, ça fait comme les Kim Kardashian. Là, c'est plus Kim Kardashian que... La tête d'âme va me dire que je l'ai géré. Beau gosse, hein. Attends, il reste un... Merde, excuse. Voilà, méchant. T'as vu, c'est ce que tu fais des fois. Franchement, dites en commentaire ce que vous en pensez. Bon, bah, je pense que j'ai terminé, les amis. Bon, je vais tout d'abord vous révéler à chaque produit à quoi ça correspond et où est-ce que ça doit se mettre. Alors déjà, ça, c'est tout sauf un anti-cerne, c'est un fond de teint, ça va sur toute la face. Ouais, c'est ce que j'ai fait quoi. Toi, tu me l'as mis uniquement en dessous des yeux. Ok, donc là, tu vas prendre perpète juste pour ça. Ah. Ça aussi, c'était un fond de teint, mais vous l'avez pas utilisé. Ensuite, ça, c'est un anti-cerne, ça va vraiment sous les yeux. Voilà. Sauf que ça se met en premier, ça se met pas sous 40 000 couches. Voilà, merci. Deux erreurs pour Bilal, zéro pour moi. Ça, du coup, tu me demandes est-ce que c'était ouais. C'est un contouring, c'est fait pour mettre ici. Ah! D'accord. Donc après, tu viens avec ça et t'estompes de base. Mais là, vu que l'éponge, vous l'avez défoncée, elle ressemble plus à rien. Ça, là, ça se met en tout premier. Faut que mon visage, il ait rien dessus. C'est une base. Ok. Les palettes, tout ça, là. Ouais. Ça se met sur les yeux, ça se met pas sur le visage. Merci! Il a fait que des erreurs, le frérot. Je l'ai pas mis sur le visage, ça a débordé. Pardon, Bilal. Ouais. Wesh, Bilal, s'il te plaît. Trois erreurs. Ça, c'est un crayon pour les sourcils. Toi, t'es super con parce que t'as vu que ça. Sauf que t'as pas capté que c'était un double embout. Oh, mais c'est pas grave, je l'ai pas utilisé, du coup, ça me pénalise pas. Ensuite, ça, le mascara, vous l'avez tous très bien utilisé. Ça, c'est pas du tout un rouge à lèvres, c'est un blush. Ah, blush. Regarde. Ah, ça, c'est moi qui l'ai utilisé. T'estompe. Non, non, tu l'as pas utilisé. Je l'ai pas utilisé. Si, c'est vrai, je m'en rappelle, je l'ai pas utilisé. C'est fait pour avoir les pommettes rouges. Ah, Zarma, petit côté mignon. Ah, ah, petit côté chaperon rouge. Exactement, ça, c'est la même chose, sauf que c'est format poudre. Là, c'est liquide, là, c'est poudre. Voilà. Ensuite, ça, c'était censé être le même délire que ça, là. Oh là là, vous voilà. Mettez trop de la merde sur votre visage, les femmes. Voilà. L'eyeliner, déjà, ça se met pas en dessous de l'œil comme vous l'avez mis, vous deux. Quatre erreurs, une erreur. Mais c'est Léa et qui donc, juge. Le seul truc quasiment que vous avez super bien utilisé. C'est le rouge à lèvres. C'est le rouge à lèvres. On est très très fort en rouge à lèvres. Tu voulais me faire un contouring du nez. Ouais. T'es parti me mettre un crayon à lèvres sur le nez. Donc c'est pas ça. Non. Donc deux erreurs. Il fallait mettre ça. Regarde. Ah, mais sinon t'avais capté l'idée. Regarde, j'avais capté l'idée. En gros, tu viens, tu mets ça là. Ah ouais, tout ce qu'il faut mettre. T'en mets pas beaucoup. Mais genre en gros, c'est comme ça que tu le fais. Là, mon visage, il ressemble à Picasso. On dirait un léopard là. Voilà. Oh, t'as taillé Picasso là. Il a pris une balle perdue. Bah, Picasso parce qu'il fait des trucs, des œuvres abstraites. Bref, on s'en fout. Ok, bon, du coup, qui a gagné, qui a perdu les notes? Alors, du coup. Pour la beauté du truc, je vous donne un 3 chacun, les gars. Arrête, casse-en. Attends. Mais regarde-toi, c'est moi le meilleur. En fait, là, je vous dis la vérité, les deux, ils sont laids. Pour la beauté, je vous donne 3 chacun, parce que c'est laid ici, c'est laid là. Bah oui, mais c'est plus laid à droite qu'à gauche. 3 chacun, je m'en fous, c'est dégueulasse pour les deux côtés. Enfin, pour les ustensiles, pour les produits bien utilisés sur les bonnes parties du visage. Mais d'accord. Bilal. T'as rien utilisé au Bilal, bon endroit, frère. Je te mets un 1, mon ref. Wow. C'était une catastrophe. Le seul truc que t'as bien utilisé, c'est l'éponge. Ah, il a copié sur moi en plus. Et encore, l'éponge, tu l'as utilisé sur ça, donc t'as de la chance que je te mette un 1. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'était horrible ce que tu m'as fait. Une catastrophe. Ouais, je regarde l'état de l'éponge. En même temps, tu me dis rien. C'est toi qui as pas utilisé ce joker. Tu m'as même pas demandé. Tu m'as posé des vieilles questions. Et toi, Adem, je te donne la note de franchement 6. Parce que du coup, tu t'as bien géré. Wouah! Yes! Il a utilisé l'éponge pour le fond de teint, c'est parfait. Oui. Il a utilisé le pinceau pour au-dessus là, c'était parfait. Oui. Il a utilisé le liner sur les yeux et le rouge à lèvres et le crayon autour. Mais ça veut dire la note globale encore là, sur la troisième. C'est pas le
perdant. Bah ouais, si on... Bah oui, parce que là, si j'ai 6 et 3, et toi t'as 3 et 1, oui, j'ai donc gagné. En gros, tu te fais épiler une fois, il se épile deux fois. Ok. Voilà. Adem, étant donné que t'as qu'une seule partie à te faire épiler, je te laisse aller tourner la petite roue. Je suis le grand vainqueur. Attends, voilà, je prends la cam. Et... il est mort, les amis. Léa, t'as tout ce qu'il faut. Oui. Allez, 3, 2, 1, let's park. Allez, on y va. Allez, s'il vous plaît, pas trop tard, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Cuisse, cuisse. La cuisse. Ça va, la cuisse, c'est juste ici. Allez, on y va, on coupe la cuisse. Ok, vas-y, c'est parti. Bon, allez, Adem, il s'allonge, il va se faire manger. Bon, du coup, on va faire avec les moyens du bord, les enfants, parce que j'ai plus de spatule, du coup, on va utiliser un couteau. Si ça fait... c'est chaud. Ah, ça brûle. Pardon, mais j'ai pas le choix parce qu'il faut bien l'étaler. Mais tu fais trop! Mais je vais être tout blanc! Attends, je suis en train de te tartiner, on dirait du beurre. Ah, on dirait du beurre. C'est brûlant la tête. Léa, ouais, tu vas me couper la jambe là. Tu vas prendre mon muscle avec. Mais... vas-y, vas-y, prends toute sa jambe, frère. Mange son muscle. Tu mérites de souffrir, mec. Ah, c'est chaud! Prends une petite bande, on la pose. Ah là! On fait chauffer. Ça, ah, ça fait déjà mal! Ça fait déjà mal, c'est psychologique. Y'a rien là! C'est trop bizarre! Y'a rien! Vas-y, vas-y, arrache-le! Ah, oh, regardez! Oui, j'ai plus rien! J'ai plus rien! Tada! Ah, les poils dessus, ça dégoûte! J'ai plus de poils, regarde, ça me brûle! Ah, t'as la peau douce! Mais putain, c'est quoi ce trou? Je peux plus sortir en short! Ah, c'est tout doux, wesh! Ça, ça doit faire vraiment mal! Hein. C'est ton tour! Ah merde! Bon, c'est parti, les refs, la roue! Pour le premier endroit, parce qu'il y en a deux! Allez, on y va! Ah oui, c'est vrai, il y en a deux! Allez, 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 fais du sale! S'il te plaît, le ventre, un truc comme ça! Le mollet! Oh, ça va, le mollet! Oh, le mollet, mais ça fait super mal, le mollet, c'est derrière la jambe! Je pense que ça va piquer! Tu peux pas manger sur le ventre, parce que c'est sur le mollet! Regardez son beau petit mollet! Wesh, tous les poils, il n'y aura plus rien! Ah, c'est chaud! Wesh, ça m'a fait peur, wesh! C'est chaud, frère! Oh là 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 là, ça va piquer, oh! Adem, est-ce que ça fait vraiment mal? Franchement. Attends, Léa, attends! Attends, s'il te plaît! Attends, Léa, 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 Léa! Franchement, Léa, attends, vite fait! T'es Léa, attends! Léa, s'il te plaît, prends des comptes! Prends des comptes! D'accord, oui! 1, 2, 1, vas-y, tire! Regardez, wesh! Ah, mais tu le refais! Mais pourquoi tu le refais? Parce que j'ai enlevé les pieds! Ah, fais voir, fais voir! Wesh! Regardez, ça dégoûte! Wesh, y'a plus rien! Ouais, c'est tout doux! Wesh, regardez! Ah, c'est pas mal ça! Aïe aïe aïe! Wesh, il va marcher, il peut plus sortir en short! Allez, c'est vidéo là! Bismillah, on y va! Allez, 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 allez. Oui, oui, oui. Le bras. Ok, le bras. Je m'en sors bien dans cette vidéo parce que ça fait pas mal le bras. Ça va se voir, tu peux plus être ni en short ni en t-shirt. Non, mais après, c'est bon, je vais ressembler à quoi, moi? Tu veux choisir, on choisit. Je choisis. Eh, hey, vas-y, le torse. Mais t'es fou, c'est pire que le bras. En fait, j'ai rien au torse. Téma, y'a que ça. Vas-y. Ok, c'est bon. Y'a que ça. Allez. Fuck you. Mais attends, est-ce que ça va me gratter ou me piquer dans la journée? Je sais pas, mais y'a que toi qui pourra nous le dire, ça. Attends, en fait, est-ce que j'ai fait le bon choix? Du coup, en fait, je te fais tout. Ouais, tu fais tout. Non, pas tout. Non, mais si. Ah, c'est chaud, les gars. Ah. Voilà. Ah, ça brûle. Voilà, ça brûle vraiment, wesh. Voilà. Là c'est carré. Attends, attends, en fait j'ai envie de changer. C'est trop tard. J'ai envie c'est trop tard. Non, j'ai envie de changer. Là c'est trop tard. Léa, attends, ça fait mal, tu penses? Mais plus t'attends, plus ça fait mal. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah, 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 Léa, Léa. Ah, 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 vas-y, vas-y, je suis un bonhomme ou pas? Je suis un bonhomme. Ah, oh putain, il fait mal celui-là. Ouais, ça fait mal celui-là. Ça fait mal celui-là. Ça fait mal celui-là. Ah, j'aurais dû faire le bras, il fait trop mal lui. C'est bon. Oh. Merci Léa. Ah, je suis très satisfaite. Ah bon, les refs? Ah putain, non, ça fait mal. Wouah, je suis en sueur. Voilà, l'été, c'était dingue en vrai. On s'est littéralement fait flinguer la jambe. Bon, du coup, les refs, merci à Léa pour sa participation. Avec grand plaisir. Et ça va, on t'a foudroyé le visage, ça fait plaisir. Ouais, mais moi, je vous ai foudroyé les poils. Vas-y, les refs, partagez la chaîne. À vos amis et à vos ennemis. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Adem et Bilal. Salam la famille.